Ça y est, c'est le grand moment. À quelques minutes de monter sur scène, je repense à tout ce qui m'a mené jusque-là. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Une question si terre à terre et pourtant posée aux enfants dès leur plus jeune âge. Personnellement, j'ai toujours préféré expérimenter. Comment peut-on se projeter sans jamais rien avoir essayé? Découvrir de nouvelles choses, faire travailler sa créativité, rêver, tester, réaliser. L'imagination, c'est comme un muscle qu'il ne faut jamais cesser d'entraîner. La photographie, la cuisine, la couture, la musique, l'origami, tous ces fragments de moi m'accompagnent tous les jours, comme une multitude de petites personnes en file indienne derrière moi. Ils font partie de moi, ils représentent qui je suis et qui j'ai toujours voulu être. Il suffit de sauter le pas.